Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul spécial, on va dire Primark, quelque chose que j'ai reçu très récemment, mais surtout Primark, parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'achats à Primark. Oui, je sais, parce qu'il y en a qui disent tu dis Primark, tu dis Primark, alors ça se dit Primark. Je sais que ça se dit Primark, comme je sais aussi que ça se dit DIY, DIY et pas DIY. I don't. C'est bon. Donc je vais passer vite à ce que j'ai acheté, parce que sinon la vidéo risque de durer une plombe. Donc les achats à Primark. J'ai tout d'abord pris ce magnifique chemisier qui se présente comme ceci. Voilà, alors il y a presque que des chemises, hein. Moi et les chemises, c'est une histoire d'amour inconditionnelle, voilà. Même si ça, c'est plutôt pour le printemps, parce que je me vois mal porter ça maintenant, voilà, parce qu'il fait un peu froid. Mais sinon, je le trouvais super bien, et je pense qu'il était en solde. J'ai enlevé toutes les étiquettes de prix, mais je crois qu'il était en solde, il était à 7€. Ensuite, pareil, ça c'est vraiment pour le printemps, c'est une petite blouse en fait, qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé les petits oiseaux dessus, ça fait vraiment très printanier, et voilà, c'est vraiment à porter pendant le printemps. Par contre, ça, je l'ai pas pris soldé, elle m'a coûté 11€ celle-là. Voilà. Ensuite, et oui, une autre blouse, cette fois-ci kaki, toute simple. Celle-là, je l'ai pris à 11€, je crois, ou 9, un truc comme ça. Donc voilà, pareil que la rose, sauf que celle-là, elle est kaki. Et encore, attendez, j'ai encore un prix, un autre truc qui est similaire à ça. Voilà. J'ai pris ensuite un autre chemisier kaki, comme je vous ai dit, voilà, originalité, merci, voilà. Donc celui-là, il m'a coûté seulement 13€. Donc voilà, c'est un chemisier qui se présente comme ceci. Cute. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est pour en fait regarder son téléphone en fait de son lit. Avec moi, attendez, je vais vous montrer. Je pense que c'est beaucoup mieux de le montrer que de l'expliquer, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc ça se présente comme ça. Il suffit de l'attacher tout simplement au rebord de votre lit, et après vous pouvez mettre votre portable et vous pouvez le regarder sans besoin de le prendre avec la main. Je trouve ça vraiment une invention trop intelligente, quoi. Parce que franchement, le nombre de fois où je me suis reçu le téléphone sur le visage, parce que j'étais vraiment trop occupée à regarder la vidéo, et je me suis reçu sur le visage, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, il faut absolument que je le prenne. Donc celui-là, il m'a coûté 6€, c'est ça, 6€. Ensuite, j'ai pris un shampoing sec Baptiste. Voilà, je l'ai pris senteur tropical coconut and exotic. Ouais, ça va, ça sent bon, ça va. Et voilà, c'est tout pour mon haul de Primark. Alors il y en a eu encore plein d'autres habits en fait que j'ai acheté, mais que j'ai tout de suite porté, et après je les ai mis un peu partout, donc j'ai pas fait attention à les montrer ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais passer sur ce qu'on m'a envoyé. Et franchement, il y a des trucs super intéressants qu'on m'a envoyé, et que je suis vraiment trop contente de vous les montrer. On commence tout d'abord par cette grosse boîte. Voilà. Cette boîte, c'est une box. Une box DIY. Alors ça, c'est vraiment génial. Quand j'ai vu le concept, j'ai tout de suite été conquise. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce qu'il me faut, et c'est vraiment quelque chose à laquelle je pensais en fait comme un giveaway. Je me suis dit, j'aimerais trop faire un DIY box et vous l'offrir. Quand j'ai vu la box, je me suis dit, mon dieu, il faut absolument que j'essaye. Je voulais la monter en fait en vidéo, mais le problème c'est que, comme vous savez déjà, je vais bientôt déménager, et ça sert à rien de décorer une chambre à laquelle je vais pas rester très longtemps. Donc je vous la montre comme ça. C'est tout simplement pour organiser en fait une sorte de pense-bête qu'on peut voir un peu partout en fait dans les vidéos de DIY. Alors je vais vous montrer. Alors déjà, c'est super bien emballé en fait. Ce qui est trop bien, c'est qu'on vous envoie tous les matériaux, et vous n'avez plus qu'à refaire ça chez vous. Pour si vous êtes perdu ou quoi que ce soit, vous allez directement sur le site. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et en ce moment ils font des soldes super bien, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Moi j'ai pris ceci en fait. Voilà, c'est voilà, comme je l'ai dit, une sorte de pense-bête avec les pinces à linge qui sont dans le petit pochon. Et pinces à linge comme ceci. Vous avez aussi les petits clous pour bien sûr l'accrocher au mur. Et vous avez un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà.
Donc de toute façon je vais je vais le faire en vidéo, mais je le ferai quand j'aurai déménagé, parce que ça ira définitivement dans ma nouvelle chambre. Et je vais même la peindre en couleur or ou couleur blanc, je ne sais pas encore. Mais ça va être juste trop magnifique dans ma chambre. Je me languis déjà, quoi. Le problème c'est que c'est obligé, je suis obligée de le laisser dans le carton. Voilà, pour pas... Je suis obligée de le laisser dans le carton pour pas l'éparpiller partout. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester ce site internet, surtout si vous voulez faire un cadeau à une personne qui aime beaucoup les DIY et qui veut décorer son intérieur. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est très bien emballé. Franchement, c'est super bien, très bien détaillé et le site est très clair. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Franchement, je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil, c'est vraiment un très bon concept. Ensuite, une deuxième chose, comment vous voyez que j'étais vraiment en mode... là. Donc je l'ai reçu en fait dedans à moitié ouvert, donc à mon avis on m'a dû le deuxième a dû tomber. En fait ce sont deux échantillons de masques et de gommage en fait douceur de la marque Gena, que je vous montrerai juste ici. Ben voilà, le truc c'est que j'ai reçu que cet échantillon et je ne l'ai pas encore testé, mais en fait, c'est une gamme bio et là, pour l'instant, j'ai reçu l'échantillon d'un masque purifiant avec de l'arbre à thé. Et vous savez très bien que l'arbre à thé, c'est très bien pour les peaux acnéiques. Donc voilà, je vous montre la texture du masque, texture gel, c'est plutôt marrant. Je ne l'ai pas du tout essayé, mais je me languis vraiment de l'essayer. Mais c'est vraiment dommage que j'ai pas reçu le gommage. Enfin, j'ai dû le recevoir, mais il a dû tomber parce que voilà. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de ce produit, de cette marque en fait, pour que vous découvriez d'autres produits. Si vous êtes vraiment porté sur le bio, vous pouvez aller faire un tour. Et voilà, c'est la marque Gena. Et enfin, on va passer à des produits capillaires que franchement, c'était trop bizarre en fait quand ils m'ont envoyé le mail. Déjà, je les remercie, c'est sublime. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'était pour tester ces deux produits de coloration de la marque L'Oréal. Colorista. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'était marrant, parce qu'en fait j'ai acheté justement bien avant d'avoir reçu ça, la coloration rouge permanente, et juste après j'ai reçu un mail en disant est-ce que vous voulez tester cela. J'ai dit mince, je l'avais justement acheté, justement, enfin j'ai pas acheté celui-là, j'ai acheté le permanent, mais j'ai vraiment envie de tester. En tout cas j'ai testé celui-là, il est tout vide. Voilà, il n'y a plus rien du tout parce que je l'ai testé. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Celui-là, en fait, c'est un spray tout simplement qui colore les cheveux en un jour et ça s'enlève en un shampoing. Ça s'enlève en 40 000 shampoings. C'est pas une blague, je vous assure. J'avais vraiment l'impression de faire une coloration permanente à mes cheveux. C'était juste horrible à enlever. C'était trop dur à enlever, voilà. Mais ça veut dire un bon truc, ça veut dire qu'au moins ça tient bien. Voilà, faut trouver un bon truc quand même. Mais c'est vrai que en spray comme ça, j'ai taché tout ce que j'avais. J'ai taché le haut que j'avais, j'ai taché ma serviette, j'ai tout taché. De toute façon, je ne sais même pas m'y prendre avec ça. C'est un truc de fou, je me disais que ça va être un carnage. Et effectivement, ça a été un carnage. Mais franchement, la couleur, elle était vraiment vibrante. Je vous mettrai une photo ici de comment ça s'est, en fait, comment c'est... J'ai dû quand même appliquer plusieurs fois pour que ça soit vraiment un bleu vraiment flashy, parce que sinon, on ne voyait rien du tout. Je pense que pour les personnes qui ont les cheveux blonds, c'est bon. Un spray, ça suffit. Ça... Non, moi, il fallait que je sois en mode... jusqu'à qu'on voit bien le bleu. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais je me languis d'une chose, c'est de le tester. De toute façon, je vous mettrai sur Instagram comment ce sera sur mes cheveux. Mais je me languis vraiment de tester. J'ai oublié de vous préciser qu'il y a un concours sur ma page Instagram pour gagner les produits que je vous ai cités de Colorista. Celui-là, en fait, ça tient 2 semaines, entre 7 et 15 shampoings. Et voilà, franchement, je me languis vraiment trop de tester. Donc merci encore à Sublime de m'avoir envoyé ceci. Et voilà, ce sont les produits que j'ai reçus récemment et aussi ce que j'ai acheté. J'espère en tout cas que ce haul vous fera plaisir. N'hésitez pas à venir sur un thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.